J'ai fini ma semaine, sa journée. Une journée, c'est tout. Après ça, fini. Il était une fois une fille beaucoup trop heureuse de terminer son premier stage en enseignement qui a vraiment pas été facile. Retournant dans son école primaire en tant que prof, c'est une montagne russe d'émotions. Bref, j'avais très hâte que ça se termine. Et ce vlog-ci, c'est comme l'après-stage, donc après toute cette tempête d'anxiété. Me voici enfin libre, alors voilà, c'est un vlog assez heureux. Bon visionnement! Mais si, ça arrête plus, il y en a partout! Voici Bernard la Bernard! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien! Mon dieu, quelle intro de 2017, mais c'est pas grave! Parce que moi je vais bien, fait que j'ai envie de redevenir une youtubeuse de 2017. Non mais pour vrai, je viens de terminer mon stage, ça va super bien. Là, il me reste comme quelques travaux à remettre pour l'université pour mercredi prochain. Mais sinon, j'ai comme plus rien! J'ai comme deux semaines de congé que je me suis donnée avant de recommencer à travailler comme éducatrice à l'école où j'étais l'année dernière. Donc si vous me suivez depuis l'année passée, vous savez un peu ce que je faisais. Fait que je vais retourner travailler comme éducatrice pour faire comme la fin d'année. Après ça, cet été, je vais travailler au camp de jour. Puis l'année prochaine, on verra parce que je vais commencer l'université à temps partiel. Donc en ce moment, j'étais à temps plein, mais j'ai trouvé ça vraiment trop intense. J'aimerais ça peut-être, je pense, faire une vidéo sur ce que j'aurais voulu savoir avant ma première année en enseignement. Ceux qui souhaitent étudier en enseignement, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, ça m'aurait aidé de voir une vidéo là-dessus il y a deux ans. Ça m'aurait aidé à peut-être mieux orienter mon futur. Donc voilà! Fait que sur ce, allons faire mon rapport de stage. Puis ça, c'est staccato. Il est 11h11 et j'ai vu une tortue. Allô? Regardez la météo avant de faire du vélo. Alors, aujourd'hui j'étais à l'école en vélo, très mauvaise décision. Mais j'ai été payée à faire un cours de danse. En fait, il y a mon studio de danse qui sont venus donner un cours de danse aux élèves. Puis c'est moi qui étais responsable de surveiller l'activité. Fait que j'ai dansé avec des élèves de 4e année, c'était vraiment cool. Après ça, tout le monde est rentré en dedans en panique. Puis j'étais allée m'occuper des 3e année, j'étais comme toute seule pour 4 classes. Génial! Il est 1h30 ce matin et je me fais un masque. Voici la définition de la liberté. Oh my god, c'est une légende! C'est samedi aujourd'hui en compagnie de Capitaine Lilou, qui s'appelle Lionel aussi si jamais vous préférez. Mon cours en ligne que je fais cette session-ci, donc mon cours d'été en maths. Et il faut que j'apprenne à compter en inuit. C'est tellement compliqué! Voici la numération inuit. À quoi ça va me servir de connaître la numération inuit? C'est une bonne question. Mais c'est le fun à faire! Genre ça c'est clairement une tune qui était composée chez le dentiste. Ouais, je vais clairement couper ça au montage, garde pas ça. Oh c'est collant cette affaire là. Là maintenant le moment de vérité ça. Instruction. Je vais pas aspirer ça, ça va être chimique.
Ah, mais il sent vraiment bon! C'est quoi ça? C'est bon? Bon, en fait, c'est pas tant bon, finalement. Ah oui, j'avais oublié, ça, c'est une nuit chambère. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je peux pas en dire. Car au pire, c'est dégueulasse et je m'en fous. Je me sens poudreuse. Faut que je parte. J'ai l'impression que c'est pas idéal. Oh, c'était dans mon œil, ça. Bon, on est arrivé à destination. Yes! Puis aujourd'hui, c'est mon spectacle de danse. En fait, j'en ai un aujourd'hui à 7h, je crois. Puis un demain à 10h. Et ouais, ça va être une fin de semaine à s'occuper. Puis là, c'est ça, je viens d'arriver, je suis arrivée d'avance parce que je voulais genre prendre le temps de manger un petit quelque chose parce que je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'occasion de le faire. Oh, les chandails sont bleus. C'est beau. Fait que c'est ça, bon appétit. Alors, je suis de retour au spectacle. C'était tellement fun. On dirait à chaque fois, je suis un peu stressée. Puis finalement, j'aime tellement ça. Sinon, j'ai vu plein d'élèves de mon école aussi qui faisaient le spectacle avec moi. C'était drôle. Sérieusement, j'aime tellement ça danser. Puis comme, genre, juste pour le fun. Je suis vraiment pas la meilleure danseuse, là. Mais puis en plus, les filles sont fines. Genre, si vous hésitez à refaire de la danse, pour vrai, moi, je dis go for it. On a l'impression que, oh, ben là, j'ai pas le temps d'acheter un cours de danse. Prenez le temps parce que ça vaut vraiment la peine. Ça fait du bien. Voilà, peace. Spectacle de danse, jour 2. Let's go. C'est parti! On dirait que j'ai pas quitté mon auto, mais on est des heures plus tard. C'est fini! Je retrouve mon setup préféré. Je sais pas si vous vous souvenez quand je l'avais écrit ici l'année passée. Donc, en ce moment, je dis Doom. J'ai vraiment la misère à lire. Je suis à la page 105. Mais on dirait que c'est tellement compliqué. Puis en plus, je lis en anglais, fait que ça m'aide pas. J'ai pas le temps de vraiment m'asseoir puis de lire pendant longtemps. Donc, ça me prend du temps d'embarquer dans l'histoire. Journée sportive à l'école aujourd'hui, alors il fallait que j'ai un chandail de sport. J'ai fait comme 4-5 allers-retours en vélo, 18 386 pas. Je remets ma casquette pour pas avoir un autre coup de soleil sur la tête. Voici l'endroit où je travaille. C'est quand même fou. J'étais supposée recevoir mon auto aujourd'hui, mais finalement j'ai réalisé que le Kia était fermé. Fait que j'ai attendu toute la journée qu'ils m'appellent, mais finalement ils m'ont pas appelé parce que c'était fermé. Je vais sûrement l'avoir demain. J'ai passé une fin de semaine de formation de 40 jours à chanter des tonnes, puis à perdre mon temps un peu parce que honnêtement, quand t'es allé à l'université en enseignement, puis que ça fait un an que tu travailles dans les services de garde primaire, les formations qu'ils donnent, tu sais pas mal tout ce qu'ils disent déjà. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de rencontrer les autres animateurs, puis de me faire des friends. Ce que j'avais pas tant l'été passé. Ben, pas que j'avais pas tant, mais tu sais, t'arrives au milieu de l'été, t'as jamais vu les animes. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéos pour mon vlog, mais c'est parce que j'ai été vraiment débordée avec le plein air. En fait, genre à mon école, on a des après-midi au complet de plein air, puis c'est nous, les éducateurs sur les gardes, qui les organisent. Puis genre, on avait un après-midi de plein air sur le thème Splish Splash. Fait que tu sais, des jeux d'eau, on avait une machine à mousse, mais il faisait 15 degrés dehors, puis il pleuvait.
Et là, dans les prochaines semaines, il va y avoir moins d'écriture et plus de devoirs de maths. Parce que là, j'ai mon examen final dans 10 jours. Et j'ai aussi 10 jours pour remettre le travail final que j'ai pas commencé. On adore. Mon prof de maths a reporté la remise de notre travail final. Alors moi, au lieu de faire des maths ce soir, j'ai décidé que j'allais faire tout sauf ça. Alors, j'ai décidé que j'allais faire du montage ce soir parce que j'ai vraiment pas le temps de faire du montage. Je trouve ça le fun d'avancer mes projets quand je suis pas supposée les avancer. Comme on voulait là, quand j'ai pas le temps de faire ce que j'ai le goût de faire, c'est là que ça me tente de le faire. Mais quand j'ai plein de temps libre, là, je fais plus rien. En tout cas, fait que sur ce, allons faire du montage. J'ai reçu mon auto! Je suis propriétaire d'une voiture. Est-ce que j'arrive à y croire? Non. 1. J'ai reçu mon auto. 2. J'ai reçu un colis de ma meilleure amie qui fait... elle a commencé à faire des bijoux. En tout cas, vous irez voir son compte Instagram. Je vais le mettre ici. C'est Rendez-vous Bijoux. Puis là, elle m'en a fait un personnalisé, mais je ne l'ai pas vu encore. J'ai dit, fais ce que tu penses que je vais aimer. Le packaging! Léa, le packaging! En plus, tu me... Ah, elle m'a mis deux trucs! J'ai un petit message. Je veux... Une étoile! Premièrement, on a... Ceci. Je pense que ça, c'est le bracelet. Les couleurs! Non, mais les couleurs. Genre, regardez-moi ça. Ok, il faut que je l'ouvre. Ah, elle m'a mis... Ah, m'a mis une étoile. J'espérais tellement qu'elle mettrait une étoile. Le papillon, les... Les étoiles, le cœur, le... Oh! Regardez-moi ça! Je veux pas que c'est elle qui fait ça, c'est ça qui m'impressionne le plus. Elle l'a fait. Comment une personne peut être capable de... Puis l'étoile! Moi, c'est l'étoile au bout, là. La grandeur est parfaite. Il est parfait! Il est parfait! Ok, maintenant, on a le petit fond de charme. Avec un chat! En plus, ça fait tellement Bloom dans les Winx. Genre, ça fait tellement penser... au genre de truc que Bloom a là dans ses transformations. Moi, c'est le chat, il est tellement cute. Puis ça va aller tellement bien avec mon sel en plus. Léa, c'est mon idole.